club. Nombre de membres dans le groupe. Date de formation du groupe. La grandeur de nos chartes avec ça? Coudon, il en pose en main des questions. T'es sûr que c'est un formulaire pour s'inscrire à un concours, ça? On a presque fini. J'écris quoi? Je sais pas, ça doit faire environ 2 ans. OK. 2 ans. Quel est votre style musical? Attends! Vous l'avez pas pantoute? On fait du pop. Du pop? On fait du... Ben voyons donc, on fait du trash qui déménage, hein, man? Moi, je dirais plus de l'alternatif. Du pop. Coudon, est-ce qu'on joue dans le même band? OK, prenez la toune qu'on a jouée pour le bal. Ça, c'était du pop. Mais c'est pas pareil, ça. C'était une commande. Ouais, mais quand Manolo l'a écrite, c'était pas pour le bal. Ouais, mais on la jouait pas non plus parce qu'elle fitait pas dans notre répertoire. Arrêtez donc de vous obstiner. On va écrire qu'on fait de l'alternatif. Ça va régler le problème. Qu'est-ce que vous avez contre le trash? Ah, toi pis ton trash, c'est même pas une vraie catégorie. Depuis quand? Moi, j'ai jamais entendu dans un gala, dans la catégorie meilleur trash qui déménage, les nommés sont. Hey, t'es pas encore parti, Max? Non, je suis pas encore parti, là. Mon auto part pas, pis... Ah, j'avais vraiment besoin de ça, moi, juste avant de partir en tournée. Est-ce que je pars en tournée, ça, vous le saviez, ça? Ah bon, Marquis, c'est toujours quand on est pressé que ça arrive, ce genre d'affaire-là. Mais je pense que t'es souvent pressé, Max, parce qu'elle est souvent brisée, ton auto. Hey. En tout cas, elle doit pas te coûter cher d'essence, elle roule jamais. Bon, là, les enfants, si vous en avez d'autres comme ça, écrivez-les, puis envoyez-moi ça par la poste. J'ai du travail. Non, attends un peu. Toi, là, tu dirais qu'on fait quoi comme genre de musique? Ben, vous jouez dans votre propre band, vous devez le savoir. Ouais, mais on s'entend pas. Dis-leur donc, Max, qu'on fait du trash. Vous autres, ça? Ben ouais. Hey, si vous autres, vous faites du trash, mon grand-père qui joue de l'accordéon, il fait du heavy metal. Qu'est-ce que je te dis, Alex? Non, moi, je dirais plutôt que vous faites du indie rock. Bon, une autre affaire. T'aurais pas pu dire la même chose qu'un de nous trois, au moins. Hey, le jeune, tu me demandes mon avis, je le donne, hein? Bon, j'écris quoi? Crie donc qu'on fait de la musique de ma tante. Oh, c'est à qui le beau chat, hein? C'est à qui? Ben là, tu le sais, c'est à Madame Robichaud. Oui, est-ce que t'as faim? Oui, on va te préparer un beau souper, tu vas voir. Puis après, on va te ramener chez toi. Puis Madame Robichaud va nous donner des beaux gros sous. Saveur de poulet. Je me demande si ça goûte vraiment le poulet. Goûte-y. Ça sera sûrement pas pire que les lunchs que tu te fais des fois. Je me demande pourquoi ils en font pas au goût de souris. Wesh, c'est dégueu. Ben quoi, les chiens aiment les souris. Ils devraient faire des boulettes qui goûtent la souris. Ben oui, mais il y a des chats aussi qui mangent dans les poubelles. Ils devraient inventer des nouvelles boulettes au goût de poubelle. Mais pourquoi pas? Les nouvelles boulettes au goût de souris et poubelle. Avec maintenant 30% plus de poubelle, les chats en raffolent. Copain, viens manger le chat. Dis-toi. Tu vois, avec des boulettes au goût de souris, on n'aurait pas besoin de l'appeler 2 fois. Copain. Non, il a pas l'air d'avoir faim. Hé, la porte passée est ouverte. Hein? Comment ça? Est-ce que c'est toi qui l'as laissée ouverte? Ben non. C'est moi. Je savais que j'allais revenir les mains pleines, là. Pourquoi? Avez-vous peur des mouches? On garde un chat, puis il s'est sauvé à cause de toi. Hein? Ah, mais là, je pouvais pas savoir, moi. Ben oui, mais c'est pas une excuse, ça, Max. Une porte est faite pour être fermée, sinon il n'y en aurait pas. Non. OK, pas de panique. Pas de panique. Je suis certain qu'il est pas loin, on va le retrouver. Ben oui, il faut le retrouver avant que le reste de la famille arrive. Il y en a qui sont allergiques. Bon, gars, Max, tu vas regarder dans la maison, OK? Mmh. Toi, Nathan, tu t'en vas en avant, puis moi, je vais aller voir en arrière. OK. Un instant, de quoi il a l'air, le chat? Mais si tu trouves un chat dans la maison, c'est lui! Minou. Miaou, miaou. Copé. Hey, viens, ah oui, ah oui, j'ai pas de temps à perdre, là, Minou. Viens, garde le bon lait, garde le bon lait. C'est vrai qu'il a l'air bon, hein, j'ai soif en plus. Bon, Minou, on fait une affaire. Ou tu t'en viens tout de suite ou je bois ton lait. Tant pis. Ah. Dis-le! Ah. T'aurais pas vu un chat, toi? Oui, j'ai déjà vu ça. Ça a 4 pattes, une queue. Hey, je parle du chat que Nathan garde.
Ah, je sais, j'ai rencontré Nathan dehors. Là. Il m'a tout expliqué ça. Ah, oh, ça veut dire qu'ils l'ont pas trouvé. Oh. Mmh, on dirait pas. Mais j'ai vu ton auto dans l'entrée avec le capot ouvert. As-tu un problème? Ah oui, monsieur, c'est pas grand-chose, là. C'est juste qu'elle part pas, là. Hein? T'as jamais pensé t'acheter un vélo? Ce serait moins pesant à pousser. Ouais, sérieux, qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de la vérifier encore, mais... Je sais que hier, quand j'essayais de la démarrer, elle faisait un son bizarre, là. Elle faisait comme clac, 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 clac. T'es sûr que c'est clac-clac-clac-clac-clac-clac qu'elle faisait pis pas clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac? Attends un peu là, ça faisait clac-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 clac. Ouais, bien y penser là, clac-clac-clac-clac-clac-clac. Pis elle fait pas un clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac à travers? Non, c'est vraiment clac-clac-clac-clac-clac-clac. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'au garage, quand clac-clac-clac-clac, là ils font juste des ajustements. Quand c'est clac-clac-clac-clac-clac, là ils changent la pièce pis ça coûte un bras pis... T'es pas sérieux là? Ah ouais. Il y a un garagiste qui revient d'une formation sur le cloc-cloc-clic. T'es innocent, tu me niaisais. Mais oui, je te niaise. Il est très bon. Veux-tu que je regarde ce qu'elle a, ton auto? Non, 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 c'est correct, je veux pas te déranger. Non, non, tu me déranges pas, c'est moi qui te l'offre. Non, c'est correct, je m'en occupe moi-même. Mais pourquoi? As-tu peur? Mais voyons, c'est pas que je te fais pas confiance, c'est juste que je connais ma voiture par cœur. C'est toujours moi qui l'ai réparée. Je préfère m'en occuper moi-même. Non, je connais ça, moi aussi, je travaille dans un garage. Bon, viens, on va en parler un peu. Oui? Bon. Justement, c'est que toi... Au garage, t'es aide-mécanicien, hein? T'es pas mécanicien. Mm-hmm. Si moi, je vais me faire opérer, là, à l'hôpital, j'espère que ça va être un chirurgien qui va le faire, pas un concierge. On se comprend? Mm. Si je suis pas assez bon pour toi. Mais mon Dieu, calme-toi un peu, là! Moi, j'ai plein de choses à faire parce que je pars en tournée. Mais ça, tu le savais, ça, je pense. Et j'ai pas le temps et je peux pas prendre la chance de te laisser mon véhicule pour que tu la brises. Non, j'ai pas trouvé le chat encore. Oh, mais ça veut dire qu'il est ailleurs, fait qu'on va aller chercher ailleurs. Ah non, ma chère, on va se comprendre sur quelque chose. Moi, j'ai plein de choses à faire. Je pars en tournée, mais ça, tu le savais, je pense. J'ai plus le temps de chercher le chat, là. Mais oui, mais Max, il aurait fallu que tu y penses avant de laisser la porte ouverte. Maintenant, vite. OK, on va aller chercher le chat dehors. Ouais, ben Max, l'auto, le chat, hein, tu t'ennuieras pas aujourd'hui. OK, Jeff, ça me dérange pas que tu jettes un coup d'œil à mon véhicule, mais tu regardes, c'est tout. Tu touches à rien, compris? Inquiète-toi pas. J'y ferais pas mal à ta belle auto. Minou! 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 Du indie Minou. Rock. Viens-en. Minou. Non, j'en reviens pas. Max, il a raison, on fait de la musique de ma tante. Max a jamais dit ça. En plus, je vois pas pourquoi tu t'en fais. On est bon, on a déjà gagné un concours. Ouais, mais on a vendu notre âme, man. Qu'est-ce que t'as dit? On s'est perdu. Souviens-toi, au début du band. Je me souviens surtout qu'on n'était pas très bon. Peut-être, mais on était rebelles. On faisait du trash qui déménage, puis on riait des bandes poches qui font des chansons d'amour. Mais maintenant, là, c'est nous le groupe poche. On n'est pas poche. On a évolué, c'est tout. T'appelles ça évoluer, toi, faire de la musique de ma tante? T'exagères. Non, c'est vrai. Quand on joue chez Monjo, il vient même plus nous dire qu'on dérange. Même Janine, ta grand-mère, aime la musique qu'on fait. Ça va être quoi après? C'est vrai que si on continue comme ça... B12. Ah, je répète, B12! Ah. I-24! I-24! Oh. Hey, Bing, on a une chanceuse, on a une gagnante, une petite dame au fond de la salle. Bravo, madame. Pour vous, nous allons jouer notre plus grand succès. Peut-être qu'il y a raison, finalement. Tu voudrais faire quoi? Changer de style, man. Il faut revenir au trash. Puis changer nos paroles aussi. Ça va faire les chansons d'amour, là. Ça nous prend des paroles plus glauques. C'est vrai qu'on commence à avoir fait le tour des mots qui riment avec « je t'aime ». T'as raison, il faut changer. Ouais! C'est pas en criant comme ça que vous allez retrouver le chat. Vous risquez plus de lui faire peur. On a cherché partout, puis il est pas ici. Ouais, on l'a pas trouvé dehors non plus. Constance, connais-tu ça, toi, les Rotten Disturbed? Oui, Manolo m'en a déjà fait entendre, pourquoi? Tiens, ça, c'est leur parole. Chandonne dans leur tune pour voir. Pourquoi? Ouais. Ah, ben, pour rien, je veux juste savoir si t'es capable de chanter ça.
C'est quoi, là, c'est une audition? Non, mais Man pis moi, on a décidé qu'on changeait de style, pis on veut savoir si t'es capable de suivre. Ben, c'est ça, c'est une audition? Hey, c'est fun que vous ayez décidé de changer le style du groupe sans m'en parler, hein? Je sens que je fais vraiment partie du band. Ouais, Alexis en a parlé, mais j'ai pas dit oui, là. Y a rien de décidé encore. Man, branche-toi, on a dit qu'on faisait du trash maintenant. Ouais, si je compte pas plus que ça, je vais aider les autres à trouver le chat. Au moins, je vais être utile. Ben non, attends! Pourquoi t'as fait ça? C'est elle le problème, le savais? Quel problème? Ben, c'est depuis qu'elle est dans le groupe qu'on fait de la musique de ma tante. C'est de sa faute. Elle t'a jamais forcé à jouer ce qu'on voulait pas. Non, mais elle est juste capable de chanter du pop, donc ça a influencé notre style. Si on veut changer de style, man, faut changer de chanteuse. Je suis pas d'accord. Ben là, je sais que tu veux pas faire de peine à ta blonde, mais moi, je pense aux vrais intérêts du band. Puis il faut qu'elle parte. Je l'ai pas trouvé. Mais non, moi non plus, là, mais regarde, j'ai commencé à faire des affiches. Ben là, on va pas mettre des affiches. Tout le monde va savoir qu'on a perdu le chat. Mais là, c'est un peu le but aussi, non? Mais je veux pas que Madame Robichaud l'apprenne. Oui, mais si on ne trouve pas son chat, il va falloir lui dire de toute manière qu'on l'a perdu. En plus, si nos autres clients voient ça, ça nous fera pas une belle publicité. Et non, mais l'important pour l'instant, là, c'est de retrouver son chat. Tu penses à Madame Robichaud, là. Elle aime tellement son gros copain. Il faut y ramener. Ouais, c'est vrai. Attends un peu. On n'est pas obligé de lui ramener son chat. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais que Madame Robichaud a pas une très bonne vue. Ouais, ce serait dur de pas le remarquer. Faut qu'elle s'approche à ça de nous pour nous reconnaître. On va lui trouver un autre chat et lui donner. Elle s'en rendra jamais compte. Pas sérieux, là? Mais oui! En plus, c'est quasiment sourde. On lui apporterait un chien, puis elle ferait pas la différence. Mais là, on peut pas y faire ça. C'est pas correct. Préfères-tu lui annoncer qu'on a perdu son chat? Des plans pour qu'elle retourne à l'hôpital. Ouais, vu de même. Mais regarde, on va continuer à chercher, puis si on le trouve pas, on verra. J'ai dit à Madame Robichaud qu'on lui apporterait son chat à 5 heures. Claude et Victoria arrivent bientôt. On a vraiment plus le temps. OK. OK, mais je vais dire aux autres de continuer à chercher quand même au cas où. Et parfait. Ouais, mais là, on va trouver ça où, nous, un autre chat? Mais je sais pas. Ah, mais j'ai peut-être une idée, mais... Allô, petit minou, oh, le petit minou. Minou, donne la patte, donne la patte. Oh, le bon chat. Le bon chat, attention, debout maintenant. Debout, OK, pour le bon minou. Attention, oh, qu'est-ce que j'ai ici? Et va chercher. Mais là, Max, reviens-en, là. Je peux le chier, je te le chat. Va chercher, va chercher, minou. Je prends pas de même. Oh, regarde, la belle surprise que j'ai pour toi, minou. Oh, une belle sardine. T'aimes pas ça? Oh! Ben tant pis de bord! Je pense pas qu'elle va aimer mon idée. On prend en adopter un à la SPCA? Mais oui, puis on va y aller comment, nous autres? Je pense pas qu'il livre. Là, j'ai cherché partout, là, chez le voisin, là, dans le cabanon, dans les arbres, je le trouve pas, votre matou. Et tu peux arrêter de chercher. Tu vas venir nous reconduire à la place. Ah oui, comment? Sur mon dos? Je vous rappelle que ma voiture ne démarre pas. Mais tu prendras celle de Victoria. C'est une urgence. Là, vous voulez aller où? On va t'expliquer ça en route. Ouais. C'est quoi ça? Ah! Qu'est-ce que t'as fait là? Franchement, ça, là, c'est quelque chose que j'avais installé personnellement pour retenir mon silencieux qui tombait toujours. C'était juste une vis qui était tombée. J'en ai remis une autre. Ah oui? C'était juste une vis? Ça fait rien, ça tenait quand même. Ouais, mais pour un gars qui disait connaître ça, ça fait un peu broche à foin. En tout cas, ouais. Mais je connais ça, c'est juste que j'en avais pas de vis, c'est tout. On vient tant, Max, là, on y va, go, oui, go. Oui, 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 on installe les enfants, je règle quelque chose, là. Bon, je ferme les yeux pour cette fois-ci sur le support, mais tu ne touches à rien. J'ai pas envie que tu brises quelque chose, compris? Ben oui, ben oui. On y va, on y va. Je te répète qu'on voulait pas te passer en audition, Constance. On voulait juste voir ce que ça donnerait si on décidait de changer de style. Mais je suis pas un meuble. Vous auriez quand même pu m'en parler avant.
Mais on voulait t'en parler en même temps parce qu'il y a rien de décidé. Pis, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas d'accord. De toute façon, t'as pas le choix. On est deux à vouloir faire du trash. La majorité l'emporte. Majorité, mon œil. Vous me ferez pas chanter des affaires que j'ai pas envie de chanter. Si on veut percer, là, il faut qu'on change puis qu'on soit plus originaux. Ça te tente pas d'essayer juste pour voir? Ouais, je suis d'accord pour changer de style. Hein? Mais pas pour faire du trash. Ça m'intéresse pas. Ça fait que si vous voulez faire du trash, ben ça va être sans moi. OK. Ben quoi? C'est elle qui veut partir. Tiens, mon beau. On est arrivé. Moi, je pensais qu'on en prendrait un qui ressemblerait à Copain, au moins. Il lui ressemble peut-être pas, mais il a l'air d'être fin. Mais non, mais c'est parce qu'en plus, il reconnaîtra même pas son nom. Mais c'est clair que Madame Robichaud va s'en rendre compte, là. Au contraire, c'est parfait. Et Copain venait pas lui non plus quand on l'appelait. Non, non, je pense vraiment pas que c'était une bonne idée. Donc, j'en reviens, là. Je vais aller chercher un tournevis. Et lui, là. Ah, les enfants, en passant, ça m'a fait plaisir de vous dépanner, là, mais vous mériteriez presque de vous faire prendre. C'est pas correct ce que vous faites, là. Tu penses qu'on va se faire prendre, toi aussi? Je sais pas, je la connais pas, Madame Robichaud, là. Elle nous mélange, Sarah et moi, tellement elle voit pas. Ça donne une idée. Non, mais j'espère qu'elle aura pas un choc, là, en voyant le chat, puis qu'elle retournera pas à l'hôpital à cause de nous deux. À l'hôpital, mon Dieu, est-ce que c'est grave? Elle se faisait opérer pour les caratacs, là. Une affaire de main. Ah, tu veux dire les cataractes? Ouais, c'est ça. Tu sais pas ce que c'est, hein? Non. C'est une opération aux yeux qui est fréquente chez les personnes âgées. Ça leur permet de retrouver une meilleure vue. Quoi? Fait que là, tu veux dire que Madame Robichaud est allée se faire opérer pour mieux voir? Exactement. Bonne journée, les jeunes. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec le chat? C'est clair qu'elle va s'en rendre compte. On va aller chez vous le teindre? Pis, ça, c'est une tune qu'on a composée à nos débuts quand on était trash. Hein? Finalement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'on revienne au trash, Alexis. Hein? Tantôt, t'étais d'accord, puis là, tu veux plus parce que ta blonde veut plus. Hey, man, coudon, est-ce que c'est elle qui décide ce que tu mets sur tes toasts le matin? J'ai ça, ces affaires-là. Puis, c'est bon, hein? C'est le nouveau son des bannis, on revient à nos origines. Hein? Faut être bien frère avec vous autres, là. J'aime pas vraiment ça. Tu vois? Ah! C'est parce que c'est pas un vrai fan de trash. Jeff! Je m'en venais, j'étais juste en train de... C'est quand la dernière fois que t'as mis de l'essence dans ton auto? Hier! Pourquoi? Ah non, hier, non, c'est pas vrai! Non, hier, j'ai oublié de mettre de l'essence, c'est ça, j'ai oublié hier. OK. Parce que c'est ça le problème, il y a plus d'essence dans ton auto. Rien que ça! Ouais, rien que ça, ouais. Mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent, on n'a rien pas de ça. C'est pas grave, je vais aller en chercher. J'ai un bidon dans mon coffre, tu sors, j'ai un bidon. Mais non, non, laisse, je m'en occupe. Tu risques de mettre de l'essence dans le réservoir à la bite. Attends, il est drôle, hein? Non, écoute ça, puis dis-moi ce que t'en penses, toi. Okay. Ah, lui, puis ton trash. Tiens, oublie donc ça, le trash, Alexis. Man. Ouais, c'est ordinaire. Hein? Pourtant, t'aimes ça, toi, quand ça déménage? Ouais, ben, faut que ce soit bon aussi. Non, excuse-moi, mais c'est assez ordinaire, là. C'est quand même mieux que ce qu'on fait présentement, non? Au moins, c'est pas une toune d'amour. Je vais être franc, j'aime mieux quand vous faites des tounes d'amour. Parce que ça, là, on comprend pas les paroles. Je suis du même avis. Mais c'est normal, parce que ça, là, c'est du trash. Ouais, mais quand un groupe se donne la peine de composer des paroles, j'aime ça les entendre pour savoir ce qu'ils en disent, hein? Je vais chercher le bidon d'essence. Finalement, on est poche dans tous les styles. Voyons donc, dis pas ça, c'est pas vrai, vous êtes bon. Tu disais que t'étais bon mécanicien aussi, ça fait que... Ouais. Hey, oh, nuance! En musique, je m'y connais pis tu le sais. C'est normal de vouloir changer de style, je vous comprends. Mais prenez le temps d'écouter d'autres styles pour vous inspirer. C'est ça! Hey, on pourrait peut-être faire du hard ska, un peu comme les bottom brackets. Hey, j'ai pas dit copier, j'ai dit inspirer. Si vous voulez être originaux, il faut trouver votre propre style. C'est pas évident à trouver. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Ça se fait pendant une journée. Il faut continuer à pratiquer, à essayer des affaires. Et un jour, vous allez trouver. Hein? Profitez-en pour travailler sur vos paroles. Parce que tu sais que le style, c'est pas juste la musique. Ouais, c'est sûr.
T'sais, profitez-en, vous avez un public qui vous écoute. Ben, écrivez sur des choses qui vous font triper, sur des choses qui vous énervent. Moi, je trouve qu'on a trop de devoirs pour passer de journée pédagogique. Non, mais c'est pas fou. C'est vrai que tu te connais plus en musique qu'en mécanique. Il est drôle. Hein? Bon, j'ai besoin de quelque chose. Hein? Toi, Alexis, là, appelle donc Constance pour t'excuser puis dire de revenir pour qu'on en parle. Pourquoi moi? Parce que tu as pas été correct avec elle puis que les décisions du band se prennent à trois. Pourquoi pas? Ça lui fera pas mal? Hey, oublie ça, on t'aidera pas le chat. As-tu une meilleure idée d'abord? Oui. On va continuer à chercher, puis si on ne trouve pas, ben on va dire la vérité. C'est ça que vous cherchez? Oh, il était où? Dans le coffre arrière de l'auto de Max. Je l'ai trouvé en allant chercher les bidons d'essence. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Ben, je sais pas, moi. Ah, à moins que... Quoi? Je récapitule. Ce matin, quand ma voiture est tombée en panne, j'ai ouvert le coffre pour aller chercher des outils. J'en avais pas. Je suis venu dans la maison d'un portrait de Claude et j'ai pas refermé le coffre. Le chat a dû rentrer pendant ce temps-là. Pis quand t'as refermé le coffre, après, t'as pas vu le chat? Écoute, mon jeune ami, je n'ai pas l'habitude de vérifier s'il y a pas un chat dans mon coffre avant de le fermer. Ouais, ben t'aurais dû. Ça nous aurait évité bien des problèmes. Oh, arrête donc. Tu dois avouer que vous seriez ennuyé si j'étais pas là, hein? Tout est bien qui finit bien. Une chance. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'autre chat? Ben oui, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, gardez-le pour le prochain coup. Chaque fois que vous gardez un animal, vous le perdez et ça va faire un chat de rechange. Elle est très drôle, hein? Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, pouf, si, quand on l'a sorti de sa cage, j'étais tellement content. Bon, si je pouvais le garder ici. Confiez-le à Max. Dans 5 minutes, il n'y en aura plus de chat. Ben, il est très drôle, lui. Mais certain que je le prendrais, le chat. Non, excuse-moi, mais ça me tente pas vraiment de te le confier, hein, parce que il risque de pas vivre bien, bien vieux. Mais voyons donc. Non, sérieusement, j'étais certain qu'on allait trouver l'autre. Alors, j'ai pensé que je pourrais offrir ce chat-là à Magali. Ça va tenir compagnie pendant que je vais partir en tournée. Parce que je pars en tournée, vous le saviez, ça? Ah, oh, ben oui, c'est une bonne idée. Ça, j'aime mieux ça. Ah! Puis quand Magali aura besoin de le faire garder, elle nous appellera? Oui. Oh, tu viens me voir. Je vais t'appeler Monsieur Émile. Bon, on a fini. Il reste juste à marquer notre style musical. Oh, regarde, dis-leur qu'une fois qu'on va l'avoir trouvé, on va les appeler. Faut remettre le formulaire aujourd'hui. C'est bien pour ça que j'ai accepté de revenir, d'ailleurs. Dis-leur qu'on fait du alterno trash pop. Comme ça, tout le monde va être content. Alors, pourquoi pas alterno trash pop rock folk, un coup parti? Non, du alterno trash pop folk rock metal heavy ska. N'importe quoi pour pas décider. Non, je le sais. Écrit qu'on est trop original puis qu'on ressemble à aucun style. On fait du banni. Mm-hmm. Hein? Ouais, c'est ça. Style banni. Mm-hmm. Hein? Mais en moins ma tante. Ah. Alexis Talbot. Talbot. Si tu recommences, je m'en vais. OK, OK. On va trouver d'autres choses. Hey, j'ai plein d'idées. Oh non. On était un ban.